Merci beaucoup pour l'introduction de Brigitte. Et je remercie encore aussi les organisateurs pour me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui de ce sujet-là. Alors, parce que c'est un exposé un peu long, exceptionnellement, je vais vous dire en avance ce que je vais parler. OK, voilà, c'est la première fois que je fais ça. Alors, le cœur de cet exposé-là, ce sera une nouvelle méthode, entre guillemets un peu, pour avoir le comportement asymptotique de certaines récurrences que j'ai développé un peu avec Andrew Avery Price et Michael Warner, qui sont tous les deux dans l'audience. Donc, j'espère que si j'ai des questions et j'arrive pas à répondre, ils peuvent quand même répondre. Ben, ils savent probablement un peu aussi, un peu mieux que moi aussi. Et un peu inhabituellement, on ne va pas regarder les fonctions génératrices. Oula! Mais bon, ça va être simple parce que la méthode elle-même est simple. Donc, ben, ça, je crois que ça doit aller. Et je vais illustrer cette méthode-là en le voyant appliqué à un exemple qui sont les arbres compactés. Et à la fin, je vais vous parler un peu de progrès qu'on a fait sur comment on peut généraliser ces méthodes-là. Ben, donc, on va commencer sur les arbres compactés. Ben, c'est quoi un arbre compacté? Ben, supposons qu'on a un cran d'arbre binaire qu'on veut stocker dans un ordinateur. Ben, juste l'arbre, pas des étiquettes, etc. Alors, comment on peut faire pour minimiser l'espace qui est demandé? Ben, déjà, on voit que ben, c'est un arbre très grand et on voit qu'en fait, il y a des bouts qui sont assez similaires, même identiques. Par exemple, ces deux sous-arbres-là sont identiques. Alors, c'est très naturel, il suffit de garder une seule copie et remplacer la deuxième copie par juste un pointeur qui pointe vers la racine de première copie. Donc comme ça, on ne stocke qu'une seule copie, ça économise de l'espace. Et maintenant, on peut continuer ce processus-là en identifiant d'autres sous-arbres qui sont identiques, par exemple ces deux. On remplace le deuxième par un pointeur et puis on cherche encore des sortes de sous-arbres identiques. On remplace par les pointeurs, etc. Jusqu'à avec des feuilles, en fait, on n'a pas besoin de plusieurs feuilles. Il suffit de tous les remplacer par des pointeurs. Et comme ça, on obtient un arbre avec des pointeurs qui sont beaucoup plus succincts que l'arbre que je viens de montrer à gauche ici. Voilà. Donc, on dit que l'arbre qu'on obtient, c'est un arbre compacté de l'arbre original. Et bien sûr, on peut étudier cet objet-là individuellement en tant qu'un objet combinatoire. On peut dire que c'est quoi un arbre compacté? C'est un arbre binaire avec des pointeurs comme des feuilles, sauf la première feuille qui est toujours là, parce qu'il faut une feuille. Et puis, toutes les feuilles, tous les pointeurs doivent pointer vers un node qui le précède. Pourquoi? Parce que les pointeurs, ça signifie qu'il y a en fait deux sous-arbres identiques. Donc, il y a un qui précède totalement l'autre. Donc, il y a l'ordre postfixe qui est intervenu ici. Et il y a la troisième condition, un peu moins jolie, c'est que si on regarde chaque node, on peut revenir en arrière en décomprimant l'arbre. Et puis, il faut que le sous-arbre décomprimé soit tous distincts. Donc, ça, c'est juste pour dire que il n'y a vraiment pas de redondance du tout dans l'arbre compacté. Alors, vous pouvez dire, ouais, pour nous, les combinatoriciens, ben, les deux premières conditions, ça va. Ça reste assez gentil. Le troisième, c'est un peu... Il faut dérouler un processus algorithmique et ce n'est pas très gentil pour l'énumération. Et effectivement, à cause de ça, ben, dans l'énumération des arbres compactés, on introduit souvent une autre famille qui est les arbres relaxés. Qui est tout simplement, ben, on va prendre les deux conditions qui viennent, qui nous convient, et le troisième, on le hait. OK, donc c'est relaxé. Donc, par exemple, si on prend cet arbre relaxé-là, cet arbre comme ça, on voit que ça satisfait les deux premières conditions. Voilà, il y a des pointeurs, et puis ça pointe vers toujours les nodes qui le précèdent. Mais si on le décomprime, voilà, ça c'est le résultat. Et alors, on observe que ces deux nodes rouges-là, ça correspond à deux nœuds rouges ici, ça donne des sous-arbres qui sont identiques. Donc ça veut dire que cet arbre ici, ça satisfait les deux premières conditions, mais pas le troisième, donc c'est un arbre relaxé, mais pas compacté. OK, donc ça c'est beaucoup plus facile à étudier, oui? Donc dans l'arbre presque compacté, oui, relaxé, on voit bien que les...
si on garde les nœuds rouges dans le dans les yeux, on s'aperçoit qu'ils vont, ils vont avoir le même sous-arbre parce qu'ils ont les mêmes structures. Oui. Est-ce qu'un arbre qui est relaxé mais pas compacté a toujours ça quelque part? Oui, parce que c'est la définition. C'est juste les arbres relaxés mais pas compactés, ça, ça veut dire que la troisième condition n'est pas vérifiée, donc ça, ça veut dire qu'il y a nœuds. Sans faire le calcul de décompression. Oui. Tu vois, est-ce qu'il y a forcément deux nœuds qui ont les mêmes successeurs, par exemple? Ça suffit comme... T'as pas vu mes slides, non, pas vu slides. Ok, ça c'est bien parce que c'est un des slides que je vais présenter ces critères-là. Donc voilà, merci. Donc effectivement, il y a un critère qui existe, oui. Yes, yes, of course, of course. For example, here, désolé, ça, but this crosses, there's no problem when it crosses. Ok, alors, ok. Donc les arbres relaxés, etc., les arbres compactés, et, mais d'où vient ces questions-là? En fait, ça vient de, d'abord d'un papier de Flageolet, Cipalla et Steyert qui étudie la compression des arbres essentiellement dans le contexte fichier XML, parce que ces fichiers-là sont en général les arbres, plus ou moins des arbres. Et dans l'article, dans ce travail-là, ils ont proposé d'abord un algorithme linéaire pour calculer l'arbre compacté d'un arbre binaire de taille n. Et puis, ils ont prouvé que après la compaction, après la compactification, alors combien de nœuds il y en a? En moyenne, il y aura un condo de n sur log n. Donc, le taux de compression, c'est environ log n. Donc, ça, ça veut dire que quand n tend vers l'infini, le taux de compression tend vers l'infini, donc c'est un très bon algorithme de compression. Ouais, même si vous voyez que le log n, ça tend vers quand même assez long, mais bon, ça tend vers l'infini. Uniforme, oui. Non, non, pas du tout. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont étudié ce modèle-là, mais dans ce cas-là, c'est uniforme. Voilà. Donc, mais on peut aussi étudier les arbres compactés en tant qu'objets en soi combinatoires. Et c'est un travail d'Antoine, Bernard, Kaos et Michael en 2019, dans lequel ils ont étudié ces problèmes-là, mais avec une contrainte de plus sur la hauteur à droite, qui est essentiellement un paramètre qui dit que pour chaque chemin dans l'arbre binaire, combien de pas à droite qu'on peut aller maximum. Ils ont observé, ils ont prouvé que si on met une restriction sur ces statistiques-là en disant que c'est au plus k avec k fixé, alors on arrive à compter les arbres relaxés et les arbres compactés avec ces formes-là. Bah, disons, pour les arbres relaxés, ça reste quand même assez raisonnable. OK, le taux de croissance, il y a un cosinus là-dedans, mais parfois, ça se voit. Ça reste quand même raisonnable, mais pour les arbres compactés, vous voyez, c'est vraiment pas joli, quoi. Ben, surtout la partie polynomiale, c'est, ça donne une doute. Voilà. Alors, la question naturelle se pose maintenant, c'est que si on ne met pas ces contraintes-là que sur les arbres, sur la hauteur droite, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le comportement asymptotique? Déjà, ça, c'est une question un peu dure, parce que vous voyez, dans ces deux expressions-là, ce qui nous attend, par exemple, quand K tend vers l'infini, on voit que le taux de croissance, ça doit tendre vers 4. Donc, il vous attend à quelque chose, factoriel n, qui est toujours là, et puis 4 à la puissance n. Cependant, le devenir de ce facteur polynomial, c'est pas très sûr. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, bah, en fait, il y a un nouveau phénomène qui s'apparaît. C'est qu'on a obtenu le comportement asymptotique de ces arbres-là, et il y a des exponentielles étirées qui est apparu là-dedans. Donc, on va marquer par Cn le nombre d'arbres compactés avec n nodes et Rn pour les arbres relaxés, et on a trouvé les comportements asymptotiques. Donc, il y a ce qu'on attend, bah, n factoriel 4 à la puissance n, qui sont toujours là. Mais il y a un nouveau facteur, qui est exponentiel 3A1 fois n à la puissance entière. C'est un exponentiel, mais un peu étiré, parce que ce n'est pas n, mais n entière. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle exponentiel étiré. Et puis aussi un facteur polynomial. Et donc maintenant, c'est quoi ces constantes un peu bizarres 3A1 ici? Bon, en fait, c'est le plus grand racine de la fonction Théry, que vous connaissez tous très bien,
qui est défini par une équation différentielle comme assez simple ici, et avec la condition à bord que quand x tend vers l'infini, la fonction tend vers 0. OK, donc ça, ça veut dire que la facteur polynomial qui est un peu bizarre est à peu près transformé en quelque chose comme exponentielle étirée ici. Après, si vous constatez bien, ces genres d'expressions-là, il y a encore un autre endroit qui est un peu bizarre, c'est que vous voyez un grand état ici. Ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire qu'on n'a pas la constante multiplicative du tout. Donc, on sait même pas si ça converge vers quelque chose. Expérimentalement, oui. Mais tout ce qu'on peut dire comme ça, c'est que si on divise par ce Cn, par ce terme-là, alors ça c'est borné. Et puis pour Rn, c'est essentiellement la même chose. Ce qui change, c'est juste le facteur polynomial. Et comme c'est aléa, ben, il faut ajouter un peu d'aléa. Donc ça veut dire que si on prend un arbre relaxé de très grande taille, alors c'est compacté avec probabilité theta de n moins 1 quart. Donc ça veut aussi dire que si on peut faire les générations sur les arbres relaxés, ben avec un surcoût de n à la puissance 1 quart, on arrive à générer aussi les arbres compactés qui ont l'air un peu plus compliqués à générer. OK, c'est, oui. J'ai oublié. C'est positif, c'est négatif. A1, c'est négatif. A1, c'est négatif. Donc, en fait, c'est un exponentiel étiré qui réduit un peu la valeur. On verra que ça soit un peu. OK? Pas de questions? Pas d'autres questions? Et comment on a obtenu ces résultats-là? Voilà, ça, c'est la fonction d'Ri, avec le A0 qui est là. Donc négatif. Ah non, c'est le bleu, donc il est là. Donc moins 2 véhicules quelque chose. Donc comment on obtient ça? C'est d'abord, on a fait une projection entre les arbres compactés relaxés avec des chemins de tic décorés. Et puis, avec ces modèles de chemins en deux dimensions, on arrive à trouver une récurrence avec deux paramètres. Et puis, en analysant ces récurrences-là, on va utiliser notre nouvelle méthode. On analyse d'abord son comportement typique. Et puis, avec ce comportement typique, on fait des estimations heuristiques qui pourraient être aussi fines que possible. Et pour donner les bandes sup et bandes inf, on va juste tronquer ces heuristiques-là et ça nous donne les bandes qui sont en accord, en perdant la constante multiplicative. Mais bon. Et ces méthodes-là, c'est basé seulement sur la récurrence, on regarde seulement la récurrence. Et conceptuellement, c'est assez simple. OK, donc on va dépaquer, on a maintenant le plan, donc on va dépaquer sur les étapes un par un. D'abord, on va faire la bijection. Alors, on va commencer par les arbres relaxés parce que c'est plus simple. Donc un arbre relaxé, c'est plus ou moins comme ça. Et maintenant, on va le convertir dans un chemin de tic. Comment on fait? Bah, déjà, on va numéroter tous les sommets, y compris la feuille, dans l'ordre postfixe. Donc, postfixe, donc 1, 2, ici, on n'étiquette pas encore, et puis 3, 4, 5, etc. Et maintenant, on peut décrocher les pointeurs en les remplaçant par juste une feuille avec des étiquettes, qui est le numéro de node qui est pointé par ce pointeur-là. OK, maintenant, on a un arbre binaire. Ben, on fait des projections classiques pour les chemins de tic. Alors, je vais prendre le deuxième classique, la projection du deuxième classique, qui est le suivant. Je fais le contour sur l'arbre. Et puis, à chaque fois, je rencontre un pointeur, je fais un pas horizontal. Et quand je finis d'explorer un node, je fais un pas vertical. Donc, par cet exemple-là, je fais ce parcours ici. C'est une feuille, c'est ni un pointeur, ni un node, donc je l'ignore. Et puis, d'abord, on rencontre un pointeur. OK, donc on fait un pas horizontal. Et puis, on finit le 2, donc on fait un pas vertical. On est arrivé à ici, mais il n'y a rien qui s'est passé. Et maintenant, on a 3 pointeurs à la suite. Donc, on fait 3 horizontaux à la suite. Et puis, on finit 3 nœuds à la suite. On fait 3 pas verticaux à la suite. Donc, comme ça, on obtient un chemin de tic.
Et pour l'encodage total, il suffit de mettre les étiquettes sur, pour chaque pointeur sur, chaque, sur les pas horizontaux qui les correspondent. OK? Donc ça, c'est une bijection. Et maintenant, la question, c'est que si on regarde juste un pointeur, un pas horizontal, combien de possibilités il y en a pour les étiquettes? En fait, c'est assez simple parce que ce pointeur-là, ça doit pointer à un node qui le précède. Et combien de nœuds qui le précèdent? Il y a des nœuds qu'on a finis, donc le nombre de pas horizontaux, verticaux qui le précèdent, mais aussi la feuille 1 ici. Donc, ça, si un pas horizontal, c'est à hauteur m, alors le nombre de possibilités là, c'est m plus 1. Donc, on peut aussi imaginer qu'on va ajouter une ligne de case à la fin, et puis l'étiquette pourrait s'exprimer comme juste un croix dans chaque colonne. Voilà, comme ça. Donc, par exemple, dans cette colonne-là, il y a 5 possibilités. OK, c'est bon le modèle. OK, maintenant, on va dire que, ouais, on va pas vraiment faire les bijections parce qu'on veut, finalement, on veut compter. Donc, en fait, ce n'est pas très utile de capter les étiquettes. Il suffit de les remplacer par les poids. Donc, la même chose que j'ai dit, si on a un pas horizontal à la hauteur m, bah, ça va porter du poids m plus 1, parce que c'est le nombre d'étiquettes possibles qu'on peut y mettre. OK? Donc, si on veut calculer le nombre de chemins de tic qui commence par 0, 0, qui arrive à nn, qui est le nombre des arbres relacés, alors il suffit de passer par une récurrence bidimensionnelle de type binomial. Sauf que la seule différence, c'est que si il faut passer par un... Le dernier pas, c'est un pas horizontal, alors je vais ajouter le poids m plus 1 pour arriver à la position nm, parce que sinon c'est juste 1. Et puis après, si on veut le nombre des arbres relaxés, ben c'est juste la récurrence à la position nn. OK? Donc le problème réduit à estimer ces récurrences-là. Alors, ça, c'est une récurrence sur les chemins de tic, mais habituellement, quand on travaille sur les chemins de tic, on ne travaille pas sur les chemins qui s'orientent comme ça. On veut quand même que ça parte de l'axe X et ça termine sur l'axe X. Donc, on va faire quand même un changement de coordonnées pour que ça devienne les choses qu'on est un peu plus habitué. Donc, on fait ce changement de coordonnées ici, mais on va aussi faire une chose de plus, c'est qu'on va diviser par n factoriel. C'est parce qu'on voit que c'est une structure étiquetée, donc c'est juste naturel, donc on divise par n factoriel en avance, comme ça c'est un peu normalisé, on aura une croissance exponentielle. Donc croyez-moi, le calcul donne ça, la nouvelle récurrence. Il y a toujours les pas descendants, donc toujours de poids 1, mais les pas montants maintenant, ça dépend de son abscisse et son ordonnée, le poids c'est environ l'abscisse moins ordonnée sur abscisse plus ordonnée. Et puis, le nombre des arbres relaxés, ça revient à, égal à n factoriel. Et puis, le chemin de tic, donc t, 2n, 0. OK, c'est bon? Alors, déjà, on a une récurrence. Qu'est-ce qu'on fait? On est très entraîné en combinatoire analytique. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de regarder sa fonction génératrice et essayer de chercher une équation fonctionnel là-dessus, ça nous donne une équation différentielle avec deux variables et on n'arrive pas à séparer les deux variables. Donc ça veut dire que moi je ne sais pas comment le résoudre. Peut-être que vous le savez, mais moi non. Je suis désolé. Et donc, on ne peut pas appliquer les outils, on est un peu habitué. Maintenant, on va essayer de chercher des observations numériques parce qu'on a une récurrence, on a un ordinateur. On va calculer les milliers de termes et puis on va faire l'observation. Plutôt, c'est Andrew qui va faire les observations. Et puis, on observe que la récurrence, ça a le comportement comme ça. C'est environ 4 à la puissance n qu'on s'attend. Et puis, il y a un exponentiel étiré qu'on observe. Et puis, un factoriel polynomial. Et si on regarde chaque facteur, on voit que le 4 à la puissance n, ça vient probablement du chemin de tic, parce que c'est la croissance du chemin de tic. Donc ça veut dire qu'il faut une raison pour expliquer pourquoi il y a cette exponentielle étirée.
Alors maintenant, on essaie d'observer un peu plus de la récurrence. Alors, le poids ici, pour les pas descendants, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire, mais pour les pas montants, on observe que si on a un pas montant qui est très haut, en fait, son poids, ça va devenir très petit. Donc ça, ça veut dire que y a ce poids-là, ça nous donne une impression que c'est une force qui essaie de tirer le chemin en bas. Donc ça, ça veut dire que si on veut savoir c'est quoi la contribution principale, c'est quoi le comportement typique, il faut regarder les chemins qui sont en bas de régime normal, donc n, racine carrée de n, avec hauteur racine carrée de n. Donc ce qu'on va considérer, c'est les chemins de Dick avec la hauteur maximale n à la puissance alpha, avec alpha strictement plus petit que 1,5. Alors, il y a des gens en probabilité qui ont déjà étudié ce chemin-là, qui nous disent que alors, la proportion de ce genre de chemin-là, c'est environ exponentielle moins une constante fois n à la puissance 1 moins 2 alpha. OK? Et maintenant, on va faire des estimations très grossières sur, sur la contribution de chemin individuel. Donc, si, dans ce genre de chemin-là, si on prend un pas montant typique, son abscisse, c'est environ n. Son ordonnée, c'est environ la hauteur maximale, donc n à la puissance alpha. Donc, si on fait le calcul, ça nous donne que chaque pas, ça doit contribuer le poids 1 moins environ n à la puissance alpha moins 1. Et puis, typiquement, il y aura environ une constante fois n de ce genre de pas-là. Et donc, ça, ça veut dire que le poids total, ça serait à peu près ça, à la puissance n. Et ça nous donne, c'est exponentiel à moins une constante fois n à la puissance alpha, environ. Donc, la contribution de ce genre de chemin-là, ça serait exponentiel à moins n à la puissance alpha, moins n à la puissance 1 moins 2 alpha. Et maintenant, on veut trouver l'alpha qui maximise cette contribution-là pour avoir le comportement typique. Bah, c'est maximisé quand les deux termes sont égaux. Alpha égale à 1 moins 2 alpha. Alpha égale 1 tiers. Et ça nous donne aussi l'exponentielle étirée ici, dont la contribution, c'est exponentielle moins n 1 tiers. Donc, on arrive à voir quand même assez intuitivement pourquoi c'est n à la puissance 1 tiers. Cependant, la question serait plutôt comment on peut convertir ça en une preuve. La réponse est on ne sait pas. Mais au moins, on sait que la hauteur, la bonne mise en échelle, c'est n à la puissance 1 quart pour la hauteur. Donc, on va poser des ansatz. On va essayer de deviner la forme. Donc, sur la récurrence, on se dit que on peut diviser la croissance en deux parties. D'abord, la première partie, je note Hn, c'est la croissance générale en n, donc sur l'axe n. Et puis, comme on a observé, ça doit être environ 2 à la puissance n pour le chemin de Dick, parce qu'on va arriver au point 2n, 0. Et puis, il y a exponentielle étirée qui est là, mais on ne sait pas c'est quelle constante, donc c'est une constante rho qu'on ne connaît pas. Et pour simplifier un peu la vie, on va définir Sn, qui est en fait Hn sur Hn moins 1. Donc, en fait, c'est une croissance par pas, croissance cumulative. Donc, ma cumulative, ma croissance incrémentale. Et avec cette expression pour la croissance générale, alors ça se déduit que ça doit être 2 qui correspond à l'exponentielle 2 à la puissance n. Et puis plus une constante fois n à la puissance 2 tiers qui correspond à l'exponentielle étirée ici. Mais avec le constant c qu'on ne connaît pas. OK, donc ça, c'est la partie de croissance générale, mais il y a aussi la partie de croissance selon l'ordonnée, selon le m. Donc, parce qu'on dit que la bonne hauteur, ça doit être n entière, donc on va poser une fonction f qui décrit la croissance selon l'ordonnée, avec le pont mis en échelle m plus 1, c'est pour le calcul, m plus 1 sur n à la puissance entière. Et ces fonctions fx-là, ça décrit comment ça évolue, ces récurrences-là, selon l'abscisse, selon l'ordonnée, selon le m. Et maintenant,
l'approche, ça reste assez intuitive. C'est que d'abord, on va prendre le M qui est dans le bon échelle. Donc, en gros, une constante kappa fois n à la puissance entière, moins 1 pour le calcul. Et puis, on va les mettre, on va mettre l'ansatz dans la récurrence et on obtient ça, qui est moche. Mais ce qui est bien, c'est son développement autour de kappa. Et il y a beaucoup de termes qui se simplifient parce qu'on a pris le bon mise en échelle et on obtient ça, presque une équation différentielle plus des poussières. Et vous reconnaissez tous cette équation-là. C'est la fonction d'Hey. OK? Donc, c'est plus ou moins la fonction d'Hey. Donc, en fait, on peut voir que la solution, c'est plus ou moins la fonction d'Hey. Mais il faut savoir c'est quelle fonction d'Hey, parce qu'il y en a deux, il y a AI et PI. OK? Mais on se dit que, parce que F kappa, c'est le pont mis en échelle. Donc, ça veut dire que les chemins qui deviennent trop hauts ou trop bas, ça doit être négligeable. Donc ça veut dire que F kappa, ça doit tendre vers 0 quand kappa tend vers l'infini, donc on est au-delà de l'échelle, ou quand kappa tend vers 0, donc on est au-dessous de l'échelle. Donc avec la première condition, quand kappa tend vers l'infini, quand kappa tend vers l'infini, ça tend vers 0, donc ça veut dire que c'est la fonction RI, AI, mais pas le PI. Donc on peut écrire la solution sous ces formes-là, de FK, sous ces formes-là, avec la fonction d'RI. Mais on ne connaît pas encore la constante C ici. Et maintenant, c'est la deuxième condition. Quand kappa égale à 0, ben, ça doit tendre vers 0. Donc, ça nous dit que le C, ça doit être lié à des zéros de fonction d'RI. Et finalement, on a pris C égale à cette valeur-là pour que quand kappa égale à 0, ça fait pile le 0. Donc, d'où vient ces constants-là? Et quand on met ce constant C-là dans les Sn, etc., ce qu'on obtient pour la croissance cumulative dans le comportement asymptotique, ça sera ce qu'on attend. En utilisant le comportement asymptotique de AI proche du zéro. Donc, il manque la correction algébrique à ce point-là. Pardon? Correction algébrique, j'ai pas compris. La correction est puissance moins 1. Oui. On ne la change pas encore. Pas encore, mais il suffit d'ajouter plus de termes. Si un terme ne suffit pas, on va aller sur l'ordre suivant. Donc on va ajouter l'ordre suivant, ça serait n à la puissance moins 1 tiers. Donc on va ajouter ce terme-là pour la fonction, à côté de f, avec une nouvelle fonction g. Et puis, pour la croissance incrémentale, on va ajouter aussi le terme suivant. Donc, un T, une constante qu'on ne connaît pas encore, et puis N à puissance moins 1, parce que typiquement, c'est le bon échelle. C'est le bon prochain terme. Et donc, maintenant, on va refaire exactement la même chose, qui devient genre, beaucoup plus compliqué, mais ça se fait quand même. On aura des équations différentielles à sujet, et on voit que c'est environ aussi l'équation différentielle pour f dans les fonctions d'RI. Et avec ça, avec un terme de plus, on obtient le terme polynomial qui est ici, le n, qui vient après. OK, donc on a tout le comportement asymptotique qu'on veut. Et en fait, en général, on va ajouter encore plus de termes. Si on veut chercher les termes en ordre encore inférieur, bien, il suffit d'ajouter de plus en plus de fonctions ici et de plus en plus de termes ici. Si on veut aller très, 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 très loin. Cependant, souvent, ce n'est pas nécessaire parce que pour avoir le comportement asymptotique, il suffit de tronquer sur juste un certain nombre d'ordres. Et puis, ça va aller. Ça va nous donner des estimations heuristiques qui sont de plus en plus raffinées. Oui? Oui. Oui. Alors, la question, c'était si on pousse de plus en plus, est-ce qu'on peut arriver à choper le constant? La réponse, c'est non.
Ben, disons, heuristiquement, oui, mais on n'a pas de preuve. Pourquoi? C'est parce que c'est lié à la façon qu'on va le prouver. Qui est le slide suivant? Alors, parce qu'on n'arrive pas à vraiment écaler les heuristiques avec la récurrence, ce qu'on va faire, c'est de donner des bandes supérieures et inférieures. Donc, comment vous donnez ça? Bah, supposons qu'on a tout de suite Sn qui va remplacer la croissance incrémentale, Sn en tant que fonction, et puis Xnm qui va remplacer la fonction de variation selon l'ordonnée. Alors, si de plus, on arrive à prouver ces genres de récurrences-là, ça veut dire que les Sn et les Xnm, ça suit plus ou moins la récurrence, mais avec une signe inférieur ou égal ici, pour les n assez grands, alors on peut dire qu'en fait, on peut avoir une bande inférieure. Pourquoi? Parce que, bah, essentiellement, ces inégalités-là nous disent que, en fait, les xnm, sn, ça croît moins vite que la vraie récurrence. Donc, si on définit le hn qui est la croissance cumulative, alors la récurrence, donc x, la faux récurrence xnm, donc f, fois hn, donc la croissance générale, ça doit être une bande inférieure de notre récurrence. Cependant, modulo une constante. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment, on n'a jamais comparé les x et avec la vraie récurrence. Donc, en fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe entre eux proportionnellement. Et aussi, dû au fait qu'on va prouver ça seulement pour n assez grand, asymptotiquement. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas très clair. OK? Donc, c'est pour ça qu'on hâte systématiquement le constant multiplicatif. Malheureusement, on va aller très loin sur la logistique, mais on n'arrive pas à cause de ça, pour donner des bandes. Cependant, on a des bandes. Donc, OK, c'est des bandes, on est un peu content. Et pour trouver des bandes supérieures, il suffit de remplacer ces plus grands ou égales par plus petit ou égal par plus grand ou égal. OK, on est d'accord. Et maintenant, la question, ça serait comment trouver cette tout de suite-là? Ben, c'est facile parce qu'on a déjà des heuristiques, il suffit de les tronquer et puis les mettre. Alors, d'abord, je vais vous montrer pour le pont inférieur. Là, ça sera ça. Un peu compliqué. Je vais vous expliquer tout de suite comment on obtient ça. Mais en tout cas, admettons, pour la croissance, pour la variation selon l'ordonnée, ce sera la fonction de RI autour de 0 avec le pont mis en échelle, comme prévu, comme ce qu'on a vu. Et puis, on va ajouter des termes en plus, mais qui sont un peu négligeables, mais nécessaires pour notre bande. Donc, c'est une série en M et en, N, en 1 sur N. OK? Et puis, pour le Sn, on va juste prendre d'abord les deux termes, en fait, les trois termes correspondant à l'asymptotique pour le terme polynomial. Et puis, on va ajouter ce petit terme-là, n à la puissance 1 sur, n à la puissance moins 7 sur 6. Donc ça, c'est juste assez pour que ce soit un peu inférieur, pour que ça donne bon pont. Et maintenant, on va refaire toujours la même chose. On va d'abord calculer la différence, définir la différence ici. Et il faut prouver que cette différence-là soit toujours positive pour n assez grand et pour tous les m. Cependant, on peut déjà faire une première restriction sur la zone à étudier, c'est qu'il suffit d'étudier les m qui sont plus petits, qui sont inférieurs à n à la puissance 2 tiers. Pourquoi? Parce que si m, la hauteur devient trop élevée, bah, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de chemin, les poids sont très très faibles, donc la contribution est négligeable. Donc il suffit de regarder cette zone-là, normalement, c'est bon. Et maintenant, comment on regarde cette zone-là? On va faire la substitution de l'ansatz dans Pn. Et puis, on va faire le développement autour d'une valeur légèrement différente pour faire le calcul, qui est alpha égale à 1,1 plus la mise en échelle, c'est juste m plus 1 devient m. Bon,
en fait décaler un peu N entière ici. Et maintenant, on voit que ça se développe, ça s'écrit comme une combinaison linéaire de fonctions AI et le dérivé de AI. Pourquoi? Parce que la fonction AI, c'est quand même assez gentil, c'est la solution d'une équation différentielle d'ordre 2, donc on ne voit pas des développements de plus. Et c'est quoi les coefficients ici, B0, B1? Ben, en fait, ce sont assez gentils aussi, ce sont des séries en n à la puissance moins 6e, avec les coefficients ici qui sont polynomiaux en m. OK, et si vous voulez regarder les coefficients, c'est là. C'est long, mais c'est les premiers termes. Et quand on a des séries comme ça, on veut savoir les termes dominants selon les phases différentes. Et pour ce faire, on va typiquement dessiner le polygone de Newton. Ça veut dire que pour la série, on va regarder les termes. Par exemple, ce terme-là, son puissance en m, c'est 1, et son puissance de n, c'est moins 5 sur 3, 5 tiers. Donc, on va dessiner sur le plan un point en abscisse 1 et en ordonnée moins 5 tiers. Donc, le point ici. Très précis. Donc, si on dessine le polygone de Newton, ben, on cherche l'enveloppe convexe et puis on voit les faces différentes. Typiquement, il y a trois points ici qui sont sur l'enveloppe convexe. C'est ce point-là correspondant à ce terme-là. Ce point-là en bleu correspondant à ce terme-là. Ce point-là en rouge correspondant à ce terme-là. Et donc, on voit qu'en fait, il y a genre deux phases de comportement différent. D'abord, la phase avant cette ligne de pente, moins 7 sur 18. Donc, on va aller jusqu'à m à peu près n à la puissance 7 sur 18, 7 18e. Et puis après, la pente ici, ce serait moins 2 tiers. Donc, on va la prochaine phase, c'est m environ n à la puissance 2 tiers. Mais on voit que ces faces-là, on n'a pas besoin de regarder. Donc, en fait, il y a une seule face, un seul changement de face, et donc il y a deux faces différentes. Et maintenant, je peux vous expliquer comment on a trouvé les coefficients. C'est que si on met des coefficients un peu indéterminés dans l'ansat, ben, on peut calculer une sorte de suite comme ça, mais avec des termes de plus, avec des termes avec des indéterminés. Et c'est la figure ici. Et en fait, on a trouvé qu'en mettant les bonnes valeurs, on peut annuler tous ces termes-là. Et on retrouve, on rapproche de plus en plus sur le comportement. Et il suffit d'arrêter là. Donc, on a pris ces bonnes valeurs-là qui nous permettent d'avoir l'asymptotique. Et c'est comme ça qu'on obtient les coefficients. OK? Pas de questions? C'est bon? Alors, ce n'est pas tout à fait miraculeux parce que déjà, on a pris le bon bis en échelle. Et puis, on a pris le bon comportement asymptotique. Donc, en fait, on prévoit un peu quand même ça, qu'il doit s'annuler quelque part comme ça. Et puis, on peut aller de plus en plus en cherchant plus en plus de termes. OK, c'est bon? Maintenant, ben, il suffit de faire des analyses par cas selon les phases différentes. Ben, il y a une petite technicalité parce que vous voyez la fonction dérivée et sa dérivée, ben, ça change un peu les signes. Au début, quand on est très proche de zéro, ben, tous les deux sont positifs. Donc, il n'y a pas de souci pour montrer que cette différence-là, c'est positif parce que le terme dominant, à chaque fois, c'est positif. Donc, il n'y a pas de problème. Cependant, à partir d'une certaine valeur x0, le signe change pour le dérivé. Donc, dans ce cas-là, il faut faire une analyse un peu plus fine en utilisant les propriétés de la fonction dérivée. Mais on arrive quand même à montrer que, encore, c'est ce terme-là qui règne et ça reste positif. Et maintenant, la deuxième phase, c'est valide jusqu'à n à la puissance 7 sur 18e. Et puis, au-delà de ça, bah, ça serait ce terme-là, a priori, qui domine.
Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a les fonctions Terry qui ont des comportements asymptotiques quand x tend vers l'infini. Donc, en prenant en compte aussi ces asymptotiques-là, on prouve que ce cas-là est aussi positif. Bien sûr, j'ai mis beaucoup de choses sous le tapis. Mais encore, c'est une analyse par cas et en utilisant les propriétés de fonctions Terry, on arrive à prouver que c'est toujours positif. Donc ça, ça nous donne une pente inférieure asymptotiquement. OK. Et pour le pan supérieur, c'est simple, il suffit de changer un peu dans ça. Il faut ajouter un peu plus de choses pour que ça devienne plus grand que la récurrence. Donc, le terme qui change, c'est ici, on va ajouter un terme qui est légèrement plus grand, mais reste négligeable. Et le plus important, c'est dans ce changement de Sn, au lieu d'un signe moins, on fait un signe plus. Et avec ça, la même sorte d'analyse par cas, on prouve que cette fois-ci, la différence reste toujours négative. Et ça, ça veut dire qu'on a le comportement asymptotique qui sont matchés, qui sont identiques, parce que c'est ce terme-là qui donne le terme polynomial, et ça, ça reste le même. Donc, ce qu'on obtient, c'est le comportement asymptotique des sapes relaxées, comme annoncé, comme prévu. Donc, après après relaxé, c'est fait. Maintenant, c'est après compacté. Pas de question? Alors, après compacté, comme ce que Philippe a dit, c'est compliqué de vérifier les dernières conditions, mais en fait, il y a un petit lemme qui nous permet de vérifier ces conditions-là beaucoup plus facilement, ce qu'on appelle le lemme de Cerise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un app relaxé, T, il suffit de regarder tous les séries, donc des nœuds avec deux pointeurs comme ça, et vérifier si ça ne duplique pas un nœud qui le précède, dans le sens que son pointeur à gauche pointe vers le pointeur à gauche ou le fils à gauche de ce nœud-là, et le pointeur à droite pointe vers le pointeur ou le fils à droite de ce nœud-là. Donc si ça ne duplique pas notre nœud, alors c'est bon. Il suffit de vérifier que les séries. Pourquoi c'est vrai? Parce que si un arbre n'est pas compacté, alors il y aura deux nœuds qui ont le même arbre décomprimé. Donc si un des deux nœuds là, c'est une série, alors c'est bon. Mais si ce n'est pas la série, ça veut dire qu'il y a des descendants, mais parce que l'arbre, la structure d'arbre, c'est identique, donc ça veut dire que son enfant à gauche ou à droite qui est un nœud, ça satisfait ces conditions-là, ça duplique aussi un autre nœud. Donc on va aller régressivement plus loin, jusqu'au terminer donc, sur un séris. Donc ça veut dire qu'il suffit de vérifier sur le séris, on a une équivalence. C'est bon? Alors, si on veut faire ça pour le comptage, on veut dire que ouais, il faut quand même capter pas mal d'informations, il faut capter les étiquettes pour les nœuds précédents, etc., les pertes pointeurs, etc. Mais parce qu'on compte juste les choses, on n'a pas besoin de capter toutes ces informations-là. Donc d'abord, on constate qu'une cerise dans le chemin, c'est juste ce petit bout de chemin ici. Pourquoi? Parce que quand on fait le contour, on rencontre tout le pointeur et puis on termine ce nœud-là, donc deux pas horizontaux et puis un pas vertical. Et maintenant, pour que le nombre de cerises soit correct, pour qu'il n'y ait pas de cerises problématique, il suffit de les retirer. Et c'est quoi les conditions dans lesquelles on va rencontrer une cerise problématique? C'est que quelque part on a ce genre de sous-chemin là, et malheureusement les deux pointeurs pointent vers un nœud duplique les pointeurs d'un nœud précédent. Mais combien de nœuds précédents il y en a? Si le chemin termine à la hauteur m n et nm, alors à ce moment-là, on a la hauteur m-1. Donc ça veut dire qu'il y a m-1 nœuds qui le précèdent en ordre postfixe qu'on pourrait dupliquer ici avec les cerises. Donc il suffit d'enlever ces possibilités-là en ajoutant ce terme ici qui décrit les chemins qui terminent sur ce point-là, donc m-2, m-1. Et puis, on multiplie par tous les
toutes les choses problématiques qui peuvent se produire. Donc M-1, donc on soustrait ce terme-là, on a la récurrence pour les arbres compactés. OK, c'est bon? Non? Oui? Tu peux raconter pourquoi est-ce qu'il faut faire, pourquoi il faut virer ce genre de cas-là? Parce que typiquement, naturellement, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est compter combien il y avait de cerises avant. Oui. Et virer ce nombre de cerises-là, parce que c'est le nombre de paires qui ont été prises. Mais déjà, si on voit, bah, disons, déjà, c'est seulement quand on a ça qu'il y a des problèmes. Ouais. OK? Donc, il suffit de, tout au long du chemin, je retire à chaque fois dès que je vois qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que je retire tout simplement ce terme-là au fur et à mesure et ça va me donner des chemins sans cerises problématiques. Non, pas du tout. Parce que je vire jamais deux fois la même chose. Même s'il y a deux cerises qui posent problème à la fois, peut se virer dès la première fois. C'est bon? C'est pas grave. C'est... Pardon? Oui, c'est une sorte de motif interdit, oui. Qui est là? La question est comment on arrive à la conclusion que c'est juste une question de motif interdit? Oui. Faut réfléchir un peu, mais normalement, ça doit aller. Voilà. C'est des chemins partiels qui évitent un certain motif interdit. Voilà. OK? Et maintenant, on va faire exactement la même manip. On va la convertir, on va diviser par n factoriel, on va convertir en forme schématique. Et le terme auxiliaire, le terme extra, ça devient ça. Encore plus compliqué. Mais en fait, qui nous pose problème plutôt, ce n'est pas parce que la forme est compliquée, c'est plutôt parce que c'est négatif. Parce qu'on a utilisé les inégalités pour prouver les bornes. Donc ça veut dire que s'il y a des termes négatifs, on n'arrive pas bien à jouer avec ces inégalités-là. Cependant, dans ce cas-là, ce n'est pas encore un grand problème parce que la contribution de ce terme-là, ça reste très bas, ça reste très faible. Donc en fait, on peut pitouiller un peu sur la récurrence pour avoir des récurrences positives et négatives qui donnent des bornes supérieures et inférieures de notre récurrence. Donc maintenant, c'est le même jeu. On pose les ansatz appropriés pour chaque récurrence positive. Et les ansatz sont faits en sorte que sont presque les mêmes, sont les mêmes, plus ou moins. Et donc, avec ça, on a un pont inférieur et supérieur qui match et on obtient le comportement asymptotique qui est essentiellement le même avec que les sapes relaxées. Il y a seulement la croissance, le facteur polynomial qui est changé. Et pour vous montrer c'est quoi, essentiellement c'est quoi la différence entre les ansatz, c'est que pour le pont inférieur ici, on a changé ce terme-là. Ça reste un peu négligeable, mais c'est nécessaire pour avoir le bon comportement. Et c'est surtout qui change pour le facteur polynomial, c'est ce terme-là dans la croissance incrémentale. C'est maintenant différent, ce terme-là, en n-1. Et c'est cette différence-là qui nous donne un changement dans le comportement asymptotique, dans le facteur polynomial. OK? Donc, c'est une méthode que vous admettrez peut-être. Ça reste conceptuellement un peu simple, calculatoirement moins. Donc, on a cette idée-là, on se dit que peut-être on peut l'appliquer aussi à des autres modèles combinatoires et on en a trouvé un, c'est les automates. Ce qu'on a compté, c'est que c'est les automates minimaux qui reconnaissent des langages finis. Et on a fait ça pour l'alphabet binaire AI-AP. Et si on compte ces automates-là avec n états, alors le comportement asymptotique, ce sera ce qu'on attend, n factoriel, plus ou moins, 8 à la puissance n, parce qu'on a, on a quelque chose de binaire, donc il y a 2 à la puissance n qui s'ajoute. Et vous constatez, c'est toujours le même exponentiel étiré. Et après, on termine avec un facteur polynomial qui est légèrement différent. Mais en fait, pourquoi notre méthode marche? C'est parce que,
a priori, c'est parce que ce modèle-là, c'est quand même assez proche des arbres compactés, parce qu'on peut considérer les automates minimaux comme ça, comme une sorte de trait comprimé. Parce qu'un trait, on peut le voir comme un automate qui reconnaît un langage fini, et puis on comprime, on aura plus ou moins les mêmes mécanismes. Donc, on peut les encoder par les chemins de tics décorés, on obtient une récurrence, on a un lemme de série, donc on a une récurrence avec des thèmes négatifs, et en appliquant exactement la même méthode, on obtient nos résultats. Et en fait, on peut même faire ça pour n'importe quelle taille d'alphabet, il suffit de changer les constantes. OK, donc ça, c'est ce qu'on a fait avec cette méthode-là. Et maintenant, je vais faire une petite conclusion déjà sur la méthode. Ce qui est bien dans cette méthode-là, c'est qu'on regarde juste une récurrence linéaire qui reste assez simple. Et parce que c'est assez simple, la méthode conceptuellement, disons, c'est possible, on peut généraliser ça aux autres récurrences qui sont un peu plus compliquées, avec un peu plus de termes. Des formes de coefficients qui sont un peu plus compliquées potentiellement. Donc il y a un espoir que ça pourrait être généralisé. Et le mieux, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder les fonctions génératrices parce que dans certains cas, même si la récurrence est simple, la fonction génératrice pourrait être très compliquée analytiquement. Et c'est toujours bien d'avoir une autre perspective avec laquelle on peut résoudre le problème. OK, et parfois, il y a des termes négatifs, mais parfois, ça ne pose pas de problème, ça dépend de la récurrence. Mais si on arrive à pitouiller un peu pour que ce soit positif, ce n'est pas très grave. Cependant, ce n'est pas miraculeux parce qu'il y a des points qu'on ne comprend pas exactement très bien et il y a des points qu'on rate. Par exemple, quel type de récurrence on va appliquer ces méthodes-là? À ce stade-là, je dirais que c'est des récurrences linéaires dans lesquelles on peut simuler une sorte de mouvement avec les chemins, etc. Et ça va donner des équations différentielles, mais on pose le problème aussi, c'est quel type d'équations différentielles on peut rencontrer. Okay? Alors, dans la méthode, il faut quand même commencer par étudier le comportement asymptotique. Donc, il faut quand même commencer par des heuristiques. Cependant, ça reste quand même assez raisonnable parce que si c'est récurrence linéaire, ça reste des chemins. Avec la même sorte de heuristique, la même sorte de méthode, on peut avoir le comportement asymptotique, probablement. Et le dernier point, le point vraiment qu'on n'arrive pas, c'est le constant multiplicatif. On n'a toujours pas d'idée. On sait pas, ben, si on a un peu d'idée, mais on n'arrive toujours pas. Et si vous avez des idées sur comment trouver la constante multiplicative, on serait très content de voir si ça marche. Et puis, même si on a trouvé une autre application sur les automates, ça reste quand même assez proche des arbres compactés. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a d'autres applications possibles? Mais effectivement, il y en a. Il y a des gens à Taïwan qui étudient les réseaux phénogénétiques qui ont utilisé notre méthode, et Michael travaille avec eux, pour énumérer ces réseaux phénogénétiques-là. Et ce qui est bien, parce que c'est vraiment des modèles différents, et c'est aussi parce qu'ils n'ont pas utilisé du tout la combinatoire sur le réseau phénogénétique, ils ont juste trouvé une récurrence, et puis ils ont mis la récurrence dans notre méthode, et ça sort le résultat. Donc ça c'est bien, c'est très bien qu'on n'a pas forcément besoin de connaître la combinatoire. Ce qui est un peu bizarre pour un combinatoricien à dire ça, mais bon. Dernier slide, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on veut quand même avancer un peu, parce que ce travail-là, ça date quand même quelques années maintenant. On va essayer d'appliquer ça sur les récurrences les plus connues pour moi, qui est difficile pour moi, c'est la récurrence qui provient de l'IHGKP, et on travaille, c'est Baptiste qui nous propose de travailler là-dessus. Et on travaille avec Baptiste, on essaie d'appliquer notre méthode sur ces récurrences de KP. Attends, mais est-ce que vous connaissez des exemples de maps avec les threshold exponentials? Pardon? Non, mais j'ai rien dit sur le série exponentielle ou pas. Je regarde juste la récurrence. Stretch exponential. Ces méthodes-là voient les exponentielles étirées, mais ne voient pas que les exponentielles étirées. Ah, OK. Donc, tu veux dire dans les grosses cadres. On peut quand même, voilà. C'est une généralisation de la méthode. Donc, on a essayé de travailler là-dessus. C'est dur.
c'est dur. Et bah, disons, on arrive à avoir des bandes heuristiques quand même, mais c'est dur à les prouver. Donc, on travaille encore, on a des nouvelles idées, surtout sur la constante multiplicative aussi, mais voilà, il faut qu'on travaille encore plus là-dessus. Après, on a aussi essayé d'explorer un peu l'universalité, parce que vous voyez que dans tous les exemples, y compris les réseaux phénogénétiques, on voit le même exponentiel étiré, donc E à la puissance 3 à 1 fois N à la puissance 1 tiers. C'est exactement le même. Donc, on veut dire que est-ce que c'est une sorte d'universalité? Donc, pour montrer ce genre de choses-là, bah, on essaie de classifier un peu les récurrences qui sont simples. Donc, on commence par ce qu'on appelle linéairement rationnel pour les poids de pas montant. Donc, ça veut dire le poids. Pour le pas montant, c'est toujours rationnel avec numérateur et dénominateur linéaire en les deux paramètres. Et dans ces cas-là, bah, surtout, il y a des récurrences qui sont un peu dégénérées ou triviaux, clairement. Mais on voit surtout les exponentiellement et les exponentiels étirés, cependant, c'est toujours le même. Donc, c'est toujours le même, c'est E à la puissance 3 à 1 avec N à la puissance 1 tiers. Cependant, on voit aussi des comportements un peu différents, c'est qu'on peut arriver à avoir des limites déterministes macroscopiques. Donc, ça, ça veut dire la hauteur typique, ce sera N environ. Peut-être qu'il y aura d'autres comportements, mais on n'a pas fini d'explorer tout, mais je crois que c'est ces trois-là comportements qu'on voit principalement de ces genres de récurrences-là, avec la classification, qui date trois semaines, quatre semaines. Voilà. Et puis, on a aussi travaillé un peu sur, parce qu'on voit toujours le même exponentiel étiré, on voit est-ce qu'on peut avoir d'autres exponentiels étirés, autre que le type RI qu'on dit. Donc, on a essayé d'étudier les récurrences encore plus compliquées. Ça a daté un peu plus longtemps. Et en fait, récemment, on arrive à prouver à peu près qu'il y a dans une récurrence, on voit une exponentielle étirée de cette forme-là, ρ à la puissance n 1/2, qu'on appelle le type Whittaker, parce que là-dedans, on voit la fonction Whittaker qui provient de l'équation différentielle Whittaker. Donc, c'est le type Whittaker. Pardon? Oui, c'est l'équation différentielle qui provient de la récurrence, c'est du type Whittaker. Et c'est laquelle? C'est laquelle? Alors, je n'ai pas ça dans la tête, mais c'est okay. Du type Whittaker. Ben, c'est genre une. Alors, je crois c'est qu'au lieu de AIX égale à X fois AI tout prime prime X. C'est plus x, mais c'est x au carré, je crois. Okay. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Et puis, on a aussi vu des sortes de récurrences qui donnent des types un peu plus compliqués de ce tête-là. Donc, ρ à la puissance n à la puissance p sur p plus 2. Donc, vous voyez que p égale 1, type RI, p égale 2, type Whittaker, p égale 3, il n'y a pas de nom, mais voilà, encore plus compliqué. Donc, nous avons notre méthode et on essaie de le pousser le domaine d'application. Et donc, si vous avez des récurrences avec deux paramètres que vous voulez connaître l'asymptotique, alors nous serions très contents de vous écouter déjà. Et ce n'est pas seulement limité à des objets avec deux paramètres. Par exemple, pour les arbres compactés, en première vue, il n'y a qu'un seul paramètre, c'est le nombre de nœuds. C'est en faisant la bijection avec les chemins d'éthique, on arrive à ces récurrences à deux paramètres. Donc peut-être en faisant un peu de bijection, en manipulant un peu, peut-être l'objet combinatoire préféré par vous, en fait, il y a une récurrence à deux paramètres qui est cachée. Et dans ce cas-là, nous serions très contents de vous écouter. Voilà, merci beaucoup de m'écouter. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Merci.
merci pour le très joli exposé. Ça me fait penser à ces histoires de points sous un chemin de digue et le fait qu'il y ait une puissance entière, etc. Oui. Ça fait vraiment penser aux travaux de Meltem sur les arbres à hauteur contrainte, parce qu'on a l'impression, si je ne dis pas de bêtises, que les arbres compactés, du coup, ils vont être de taille à une puissance entière et que si tu les remets par une puissance entière, tu vas avoir une forme limite pour la hauteur maximale qui est au début tu contrains un mort, après tu contrains pas beaucoup. Et à l'intérieur, si on zoome, on devrait voir, un chemin de digue contraint dans une... à rester à une hauteur donnée. Vous avez regardé ça ou pas? Alors, rester parce à hauteur... Il y a aussi des stretch exponentials dans les... Dans les chemins de digue à hauteur contrainte. Oui, contrainte, oui, stretch c'est exponential ça. Qui vient naturellement aussi avec le 1 tiers, etc. Vous avez vu ça ou pas? Alors, nous n'avons pas vraiment regardé sur les chemins, parce que tout ce qu'on a regardé, c'est la valeur de récurrence. Mais effectivement, c'est tout à fait raisonnable comme possibilité, parce que... Si on fait la remise en échelle, on va espérer que ça comporte plus ou moins comme un mouvement pranien, parce qu'il y a pas de, parce qu'on a déjà compté l'effet de poids, donc ce qui reste, ça doit être un peu libre, donc proche de chemin de mouvement pranien. Mais on n'a pas regardé du tout, donc je ne peux pas dire quoi que ce soit de vraiment concret. So I've got two questions. My first question is, for compact binary trees and relaxed binary trees, the generating functions, where do they lie in the, are they definite or? Already we don't look at the generating function. Right, but do you have a guess? We have no idea at all because we only looked at the recurrence because, well, we stop at the point when we see a differential equation with two variables that we cannot separate. So that's the end for us for generating function. My second question is, I'm not familiar with how fast sequences grow. So, I mean, for reference, can you mention what is the speed close to? Like, is it closer to n factorial or Catalan? I mean, what's just a sequence for reference thing, which have a similar rate of growth? I don't have a reference sequence in my head because this stretch exponential is also a bit particular because it's negative. Well, it's smaller than one, so it's like we subtract something. And when I'm at that. When we see a stretch exponential like this, the generating function, typically it will not be very well behaved, at least not algebraic. It may be definite, but we don't know. But however, anyway, I don't have a very explicit example on this kind of growth, except what we have seen. And later I'd like to see the differential equation. We forgot that. But we can write it, of course. Est-ce que tu peux revenir sur le slide où tu as tes premières récurrences? Slide 10 ou 11, je sais plus. Les récurrences sont là. Voilà, oui, très bien. Du coup, ma question, donc votre méthode a l'air vraiment très robuste. Et je me demande à quel point vous pouvez prédire le comportement si tu modifies un peu cette récurrence. Par exemple, si tu remplaces 1 plus 1 par 1 plus 3, est-ce que tu saurais dire, même de manière d'accord, un peu heuristique, comment l'asymptotique va évoluer? 1 plus 1, 1 plus 3, ça ne change rien, strictement. Parce que déjà, dans le comportement typique, ça ne change rien. Donc, peut-être ça change un peu les constantes, je ne suis même pas sûr de ça. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Pardon? Si tu fais 2 fois 1 plus 1, enfin... Alors si on fait 2 fois 1 plus 1, ça change, bien sûr. Mais ça reste un changement assez modeste parce que c'est comme si on met un 2 à la puissance n. Voilà. Donc en fait, c'est un peu ça qu'on fait dans la classification, c'est qu'on essaie d'écrire la forme et essayer de mettre des constants là-dedans pour voir quel genre de comportement on peut avoir. Voilà.
Mais effectivement, on, la plupart des cas, on trouve des hispanocytes étirés, mais parfois, il y a des limites macroscopiques qui apparaissent aussi. Ok. Mon petit pari, c'est que la remarque de Julien, c'est un bon point de recherche. Disons, là, le même exemple, 1 plus 1, 1 plus 3. Oui. Tu dis que pour chacun de ceci, rien ne change, donc tu as ces problèmes que tu n'arrives pas à déterminer la constante, mais tu as juste un θ. Mm-hmm. Mais mon pari est que vous pourriez établir que le rapport entre la solution avec 1 plus 1 et 1 plus 3, mm-hmm. lui, il tend vers une constante. Ah. Et que tu peux la calculer. Très bien. Le problème, c'est qu'on n'a même pas le constant multiplicatif, donc je ne sais pas si ça fait beaucoup de chances de faire le rapport. Oui, oui, oui. Peut-être on peut dire, on peut les lier en disant que ça a les mêmes comportements, ça, les fonctions, le constant multiplicatif sont liés. Donc peut-être ça, ça pourrait aller. Mais on n'est pas très sûr si, comment ça, ça se fait. Ben, disons, on verra. Ça, potentiellement, oui. Une dernière question ? Non ? Oui. Est-ce que tu peux revenir à la dernière ou l'avant-dernière slide, je ne sais plus. Ça ah, oui, celle-là. Parce que tu disais que quand tu as du n un tiers, tu as toujours le même rho. Oui. Et pour généraliser à une valeur de P quelconque, tu as toujours aussi le même rho, qui n'est oui. pas forcément le même que dans n un tiers. En fait, c'est le zéro de la fonction correspondante. Donc là, par exemple, les trucs de Whittaker, ça ne rentre pas dans la... Parce qu'il y avait aussi papier, là, je crois que c'est un de vous qui me l'avait envoyé, ce papier de Canfield où il fait les partitions d'entiers, où il y a la stretch exponential en racine de n. Oui. Mais c'est un peu plus... Non, ça ne rentre pas exactement, parce que cette exponentielle-là, tu vois que le rho, c'est plus petit que 1. Ah oui, oui, donc tu as d'abord un exponentiel, ouais. Et ensuite un... Après, on a un exponentiel étiré qui le tire en bas. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée de comment généraliser justement les travaux de Canfield où il fait les partitions d'entiers avec cette récurrence à deux termes, etc. et où il a une stretch exponentielle? On n'a pas encore observé des récurrences qui font ça. Ok. Voilà. Est-ce que tu es sûr que c'est toujours le premier zéro de la fonction spéciale? Oui. Pourquoi? Parce que si on prend les zéros qui suivent, alors on n'arrive pas à prouver que ce soit positif, parce qu'il y a tous les autres zéros qui bloquent, qui varient un peu, donc qui limitent que ce soit toujours positif ou négatif pour les bandes.